Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 19e épisode de mon let's play sur le jeu XCOM NB Wesen. Alors la dernière fois je vous avais laissé, on avait bien avancé dans l'histoire, on avait fait quoi déjà? Oui si, on avait fait les trucs de Xénon, tout ça, on avait capturé un sectoïde, tout simplement, et on avait fait le... On avait étudié aussi l'artefact Xénon, ce qui nous a permis de trouver la base extraterrestre, et maintenant il faut qu'on fasse le passe-partout pour pouvoir rentrer dans la base et attaquer la base. Mais d'abord, il faut que je commence un nouveau projet de recherche, on va faire les autopsies. Nous n'avons pas encore obtenu de spécimens de ce type en état de marche, car nos hommes ne peuvent pas s'empêcher de les prendre pour cible. Bref, nous savons que ce cyberdisque est armé, mais ses actions en combat ne semblent pas suivre de schéma particulier. Tu rigoles, ils veulent juste me défoncer. Je crois savoir il faut que... Ouais, c'est ça. Il faut que j'attaque... faut que je récupère les données d'extraction. On va le faire d'abord, parce que sinon mon Gugus y a crevé. Donc on a obtenu un nouveau sapeur. On a personne de nouveau? Ben non. Peut-être qu'un nouveau sapeur serait un peu... On va te modifier. On va te virer de là. Hop. Donc on a un nouveau commando. On a deux commandos du coup vu que j'ai plus de sapeur. Enfin de sniper. Alors on a deux commandos, il faudra un deuxième grenadier. J'en ai plein des grenadiers. Si possible, un bien gradé. Ah oui, du coup, des bien gradés, il n'y a que Zang, même si j'aime pas le prendre. Toc, le gilet en nanofibre. Toi, tu vas prendre un fusil laser. Toi, je suppose que tu peux rien mettre. Ouais, c'est ça. Tu peux rien mettre. Bon. Grenadier non plus. On va faire avec ça. C'est parti. On va aller attaquer la base d'Exalt. Enfin, pas la base, mais en tout cas le... Empêcher Exalt de pirater notre encodeur pour qu'il ne découvre pas la position du transmetteur. Si vous échouez, protégez le transmetteur jusqu'à ce que les forces Exalt soient éliminées. Neutralisez toutes les unités ennemies. Ouais, en gros, faut protéger un truc. Notre agent était prêt à transmettre les données obtenues quand les forces d'Exalt ont débarqué dans sa ZO. Pour le moment, l'encodeur protège la position de notre transmetteur. Mais si Exalt parvient à pirater l'encodeur, ils pourront trouver le transmetteur. Et s'ils piratent les deux, tout espoir de récupérer les données intactes sera perdu. Nous avons un nouvel objectif. Ok, ça veut dire qu'il faut que je protège et mon Gus. Ça roule. Et là-bas. Bon, on va faire ça, on va se séparer. On va faire ça comme ça, on va en mettre un ici, un grenadier et un commando. Ici. Donc, et ensuite on va faire sprinter tout le monde pour aller protéger le machin là-bas. Ah oui, mais par contre il passe par où? C'est la question. Par où est-ce qu'il faut passer? Est-ce que c'est pas mieux de passer par en haut? Alors toi tu vas me prendre une fusillade et tu vas courir là-haut. Mais en vigilance. Toi en vigilance aussi. Du coup, toi tu vas activer ton module jet boot. Du coup, tu vas pouvoir voler. Nickel. Toi tu vas avancer. Tu vas même te foutre là parce que de toute façon normalement il n'y a personne.
Toc. Toc. Toi, t'avances. De toute façon, ils vont venir nous chercher. Par contre, du coup, on va libérer la place avec toi. Que tout le monde puisse monter. Toi, tu vas monter. Il faut aller occuper la zone. Voilà, donc 4 en haut, 3 en bas, enfin 2 et demi, voire 2 un quart vu la gueule de mon mec. Envoyez. Aïe, ah, ça va arriver. Vous avez entendu? Commandant, plusieurs ennemis se dirigent vers Strike One. Les renforts ennemis se rapprochent. Qu'on a deux snipers, waouh. Ils rigolent pas trop les mecs. Je replace sur ma chaise. Je suis en route. De toute façon, il faut qu'ils viennent dans la zone pour pouvoir nous chercher. Ils vont s'écraser comme des mouches. Et moi, je vais bien rigoler. Ça roule. Hop. Toc. Toc. Toi, t'as pas besoin de couverture, donc tu peux y aller. Il faut les descendre. Ah ouais, d'accord. Vous éparpillez pas trop. La bagnole elle va pas faire boum aussi. Je suis parti. Aïe, un poil trop loin. Attention. Faudrait que j'améliore mes grenades aussi parce que je m'en sers pas mal. Voilà. La bagnole qui a fini par faire boum. On va garder des grenades aussi parce que sinon on va tout gâcher pour pas grand chose. Il va essayer de monter. Sauf qu'il y a des gens pour l'accueillir. Voilà. Ah, spécialiste en combat rapproché. Par contre, ça c'est bien, je suis content de l'avoir mis. Ce qui fait qu'il peut faire un petit tir réflexe s'il vient dans sa zone d'action. Coucou. Oh, tu m'étonnes que tu le touches à cette distance. Commandant, les forces d'Exalt sont prêtes à pirater l'encodeur. Ouais, sauf que là Exalt va trouver le transmetteur. Un autre groupe de renfort d'Exalt se met en place, commandant. C'est pas comme si le mec était juste au corps à corps, quoi. Est-ce que vous le voyez, vous, en bas? Ah ouais, tu le vois en plus. Oh non, ça par contre, c'est dommage. J'aime pas ça du tout. 97%. Tu peux même faire une gâchette rapide. Même pas besoin de deux coups. Alors, toi, tu vois 80%. Voilà, nickel. Je m'en suis occupé. Tu peux même faire un double coup. Oui, forcément. Je t'ai mis la petite option qui va bien là. Qui fait qu'il a même pas besoin
On va faire comme ça là. On va se mettre en mode peinard. On va les attendre, ils vont se cracher. Tac, ils vont monter. Ah, je crois que j'ai qu'un seul petit réflexe. Bon. Ouais, bravo. T'es content? Tu tires ou tu attends là? Ah d'accord. Ouais non mais pourquoi pas, sauf que je suis un peu au corps à corps mec. Je pourrais faire ça. 6 points de... Ah oui 6 points c'est pas mal. Voilà. Toi tu recharges. Vigilance, vigilance. Oh ils vont s'écraser comme des mouches. Du coup c'est pour ça je trouve que l'extension est pas géniale au final, parce que l'IA des unités est quand même un peu ben voilà, ça s'écrase un peu comme des mouches sur un attrape-mouche. C'est un peu la même chose quoi. Tout ce qu'ils cherchent à faire c'est être dans la zone, même si... Oh là, deux ratés par contre, c'est dommage. Même s'ils savent très bien que là, pour le coup, ils vont se prendre... ils vont prendre super cher. En plus, il arrive à le rater à cette distance, quoi. Apparemment, ce sont les derniers renforts ennemis, commandant. Il faut seulement tenir encore un peu plus longtemps. Oh bah alors là, t'inquiète. Hein. Je gère, mais vraiment peinard. Toi aussi tu as envie de prendre cher? Oula. Mais c'est qu'il y aurait un poil plus de monde. Allez. Même pas besoin de deux tirs. Tiens, j'aurais pu faire ça aussi. Ah non, 6, c'est dommage. Tu le vois pas? Ah non! Le truc qui a bougé au mauvais moment quoi. Bon alors toi. Tu vois lui à 64. Bon, au moins on en est débarrassé. C'est fait virer. 94. 94 raté, ok. Ok, lui il est pas mort, ce qui m'embête un peu. En plus, t'as genre plus de munitions du tout. Bon alors là, si tu me... Voilà, tu me le tues avec un joli petit coup critique. Ah non, faut que je me mette en vigilance parce qu'ils vont venir. Donc là il va grimper. Lui aussi. Évidemment c'est ce que je voulais pas. Je voulais que l'autre il grimpe en premier. Bon, pour qu'il touche. Sauf que là évidemment il a raté. Ah oui, un joli petit spécialiste en combat rapproché. Oh non, dommage. C'est énorme aussi, ça ne t'inquiète pas. Mais par contre c'est dommage que tu l'aies pas one-shoté. J'aime bien, ils font des bisous. Alors là on va rigoler. Voilà. Cible neutralisée. Et du coup on va attendre que l'autre elle arrive. Bon là il n'y a pas besoin de recharger, normalement il devrait se cracher royalement. Allez boum, t'as 4 tirs réflexes sur la gueule.
Ah bah dis donc. La moitié qui a raté. Encore ? Je pensais que c'était fini, ouais. Ah par contre du coup j'ai plus de munitions. Même pas besoin. Les munitions vont manquer, objectif atteint. Rechargement terminé. On va recharger. Je recharge. Prête pour la baston. Ah oui, j'étais à sec niveau munitions. Il y a encore du monde. Le mec il s'énerve quoi. C'est con, je te vois. Oh la vache, t'es un warrior. Je sais pas combien t'en auras tué dans cette mission, mais... truc de fou. Et pof. Il reste des gens, quoi. Ouais, si. Il semblerait qu'il reste des gens. Je me dirige vers la position. Contact ennemi confirmé. Ce qui va être extrêmement drôle. Et boum. Bon, ça les one-shot pas, mais c'est très drôle. Je crois qu'à un moment... Yes. Adieu. Excellent. Pff, oh la vache, un petit triplé. Mais c'était, mais tranquille quoi. Ouh, ils ont pris cher. Ils ont pris très très cher. Je suis content. Alors, ça c'est une mission rondement menée. Capitaine. Ténacité, réduction de 2 tous les dégâts normaux subis si vous êtes à couvert et non contourné. Grande poche, tous les objets à utilisation limitée reçoivent une utilisation supplémentaire. Oh, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Grenadier. Ah, la base d'Exalt n'est pas en Afrique. Bon. Ah ah, j'ai gagné des crédits. Il faudrait que j'envoie un satellite. Les extraterrestres n'échappent pas à la règle. Je me demande quel genre de pouvoir ou d'autorité est nécessaire pour commander une telle variété d'espèces. Et qu'est-ce qui les pousse à obéir? Ah, j'ai plus de terminaux de liaison. J'ai plus de terminaux de liaison. Ah mais... Ah ! Bon, un moyen, ça va. Aïe hop. On le prend en chasse. Ouais, c'est un moyen, tu devrais y arriver. Approchons de la cible. Ah oui, mais c'est vrai que le canon phénix, il faut qu'il s'approche. Oh la vache, il a pas raté un seul tir l'ovni. Ok, bon bah on va peut-être revenir avec cette... Mais attendez. Link et... Non, c'est toujours... Il est toujours occupé, mon sniper. Bon, on va y aller avec ça. Et ça sera pas mal. C'est parti. Le prochain site de mission est au Royaume-Uni. On a eu de la chance. Le site du crash se trouve dans une zone isolée, à l'écart de tout centre urbain. Il faut qu'on aille sécuriser les lieux au plus vite. Ok. Comme d'habitude, quand on s'occupe d'un ovni... Ah, ça fait 1 minute, c'est dommage, on commence une mission. Ici Rapace, on est juste au nord du site du crash. Strike One est en... Ah, je crois qu'on l'a déjà faite celle-là, non?
va surveiller les signaux d'ici. Ouais, je sais pas. Strike One a la permission d'attaquer le vaisseau extraterrestre. Je sais pas trop, est-ce qu'on l'a déjà fait? Je sais pas. Enfin bref, on va arrêter là cet épisode. Comme ça, ça laisse un peu de suspense. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut tout le monde!